Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 25. Je vous souhaite un joyeux Noël à tous et à toutes. On va ouvrir le gros paquet, mais il est énorme. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Avant toute chose, je voulais vous remercier infiniment de me suivre sur ma chaîne YouTube. Je suis arrivée à plus de 1600 abonnés. Je ne pensais pas faire autant d'abonnés quand j'ai commencé ma chaîne vidéo. J'ai des vidéos qui montent à plus de 6000 vues, ce qui me surprend toujours. J'ai vu que certaines vidéos qui vous ont plu, c'était notamment donc l'étoile Polar Sky, le Pull Galaxy. Donc pour 2023, j'espère que je ferai autant de vidéos puisque j'ai repris aussi le travail. Donc c'est un peu plus compliqué de tourner et de faire des projets au tricot et au crochet. Mais je pense que je vais essayer de faire des projets plus pour adultes, puisque maintenant mon petit grandit, donc je vais peut-être faire un peu moins de projets au tricot et au crochet, je vais voir, mais je vais peut-être faire plus pour adultes, voilà. J'espère en tout cas que ma chaîne vous plaît toujours. J'avais essayé de mettre en place un sondage participatif qui avait assez bien marché. Je me demande, je vais peut-être le remettre en place, mais pas avec les pelotes, mais plus vous laisser le choix des projets que ensuite je mettrai sur ma chaîne. Mais ça met plus de temps en fait entre le sondage et ensuite faire le projet. Il y a toujours un peu de temps, ça peut aller de 2 voire 3 semaines, donc je trouve ça un peu long. Donc c'est pour ça que je ne sais pas forcément si je vais l'installer ou pas, puisque entre le temps de réponse et la réalisation de projet qui est assez long. Voilà, je vous souhaite un très bon Noël à tous, profitez bien de votre famille, et je pense qu'il n'y aura pas de vidéo jusqu'à l'année prochaine, donc je vous souhaite une très bonne année également. Et plein de bonnes choses, bien sûr. Bon, bah, c'est parti. Après tout ce blabla, on va ouvrir le paquet. Donc, j'ai essayé de... Mais je sais pas du tout. C'est le paquet le plus gros. Donc, je pense, oui, il y a plein de choses. Oh là là. J'ouvre un de mes paquets de Noël devant. Alors... Oh là là, il y a plein de choses. Oh là là. Alors, je vais ouvrir parce que là, ça me... Il y a plein de petites choses. Donc, je vais sortir les petites choses. Hop. Donc déjà, celui-ci, je vais le sortir du paquet, mais j'ai l'impression que c'est des boutons. Ouais, c'est ça, c'est des petits boutons, nounours. Alors, je pense qu'il faut... travailler un très gros fil pour travailler des boutons comme ça. Et il y en a des plus petits. Oh, il y a des petites voitures. Et je crois qu'il y a des têtes de nounours aussi. Oh, c'est rigolo. C'est rigolo, je trouve ça rigolo, les boutons comme ça. Donc, je vais les mettre de côté, on va voir la suite. Alors, j'ai une petite boule de Noël. Je crois que j'ai vu, j'ai une tête de cerf aussi. Donc, c'est sympa, accroché dans le sapin. Voilà, ensuite, oh, j'ai plein de choses, une petite pochette, oh, oula, alors, d'accord, je sais pas ce que c'est ça non plus, allez, j'en suis Élise, mais je ne sais pas du tout, est-ce que c'est pas, je crois que j'en avais eu, mais quand j'étais plus jeune, est-ce que c'est pas pour passer les cordons dedans? Je sais pas du tout ce que c'est. Oh lolo. Laissez-moi des commentaires. Hein, j'aime bien voir vos commentaires. Vraiment, j'en ai pas beaucoup.
dans mes vidéos et moi comme ça me permet de discuter un peu avec vous. Alors, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, un crochet numéro 4, ergonomique, super, très bien. Ensuite, un contre-en. Ah, j'en ai des contre-en, mais j'en ai pas des comme ça, alors je... Ah, super. Très bien. Je crois qu'il s'est allumé en plus. Ah oui, puis après, on peut mettre à zéro en appuyant sur le petit bouton. Ah, génial. Alors, j'ai un mètre ruban qui est toujours utile. Toujours. Et j'ai des aiguilles à gros trous. Alors, vous savez ce que je fais? Moi, j'ai une maison des aiguilles. Moi, j'ai une maison à étage. J'ai ma chambre donc qui est en haut. Et j'ai des projets de tricot de crochet en haut et en bas. Et ma réserve de laine est en haut. Et ce que j'aime bien des fois, c'est que je me mets dans mon lit, devant la télé. Ce que je fais, c'est que au lieu de toujours monter, descendre mes crochets, tout ça, et ben j'ai des aiguilles en haut et j'ai des aiguilles en bas puisque j'ai plusieurs crochets numéro 4, j'en ai plusieurs, donc j'en mets en haut et en bas et j'ai plus besoin de redescendre. Et celui-là, oh bah écoutez, c'est un kit de broderie. C'est un kit de broderie. Bon. je sais pas broder. Je sais pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout broder. Voilà, c'est un très beau cadeau. C'est super, mais je sais pas broder. Donc, à voir si je peux pas l'offrir, hein, parce que... Rien, j'ai l'impression qu'il y a déjà les dessins qui sont faits. Parce que celui-là, je n'en aurai pas l'utilité. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite un très bon Noël à tous et à toutes. Et on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. Passez de bonnes fêtes.